Appartement 606. Il est l'heure de se lever, partir pour l'école. Cartable aux épaules, distinguant reste encore les traces de sang sur son col froissé. Poignée gauche bandée, contour des yeux nancés par la fatigue et par les coups. Pour la rue et la veille, l'estomac scellé. Sur le trajet, il a encore sommeil, mais il manque pour rien. C'est le matin qu'il aime tant, c'est le matin où le silence règne. Appartement 606, où il vit avec sa famille. Un deux pièces transformé en taudis, au milieu de quartiers pourris, réputé pour être le repère des bandits. Sa vie, un enfer. Dès qu'il peut, s'en va cueillir sa part de bonheur dans les jardins secrets de ses pensées pour éviter la crise de nerfs. Majeur à 9 ans, les responsabilités ne lui ont jamais fait peur. Papa sort de 5 ans et à la maison, il n'a jamais pu compter sur sa sœur. C'est vrai, il en chie, mais jamais il s'en est plein. Ce qui fait plus mal encore, ce sont les regards de ses crétins. De peine arrivée, voit l'entrée, obligé de supporter les conneries de ses pourris gâtés. Des plus vieux seulement disent la curiosité, tous marqués par la discrétion de ce garçon qu'on accepte de questions et qui ne répond que d'un sourire qui en dit lent. Son cœur trop bon n'accepterait jamais qu'autrui et des ennuis à cause de lui. De toute manière, ce qui s'est passé hier, c'était de sa faute à lui. Son petit frère sur les bras, il n'aurait pas dû faire promettre à mère 30 avant minuit. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils en savent? Il ne leur a rien demandé, pas du genre à se confier. Leur dire que c'était ses parents qui étaient responsables de tout ça fait. Non, jamais, il les blâmerait, car au fond, il les aime. Appartement 606, c'est là où il va, oui. Au milieu d'un quartier de Paris. Au soleil, fuyant l'horizon, rentre à la maison comme d'habitude, d'après le chemin le plus long, sachant déjà ce qu'il attend. Les disputes bidons, qui restent souvent sans réconciliation, en pleine méditation. Pense à son petit frère, plus vite que le vent, car c'est la seule personne sur qui il tient vraiment. Vraiment, non, mais bon, plus question d'évoluer dans ces conditions. De plus haut de mort, devient la question. Combien de temps pourra-t-il encore encaisser? Déjà lésé, pourtant pour que ses parents soient fiers de lui, il aura tout fait à part les ressembler. Les yeux poussés au pavé, voilà de quoi ne plus se demander pourquoi, même quand il sourit, son cœur pleure. Hérité de père dealer, d'une mère à producteur, tapé à 16 heures. Difficile de rester de bonne humeur, arrivé devant, essoufflé, pris pour une souveraine rivée. Surpris, trouvant la porte grande ouverte, à part le petit qui dort par terre, la porte semble être déserte. Cette fois ça suffit, rappelez son sac du mieux qu'il peut. Saisis l'enfant d'un bras, sa porte de stylo et de bout de papier. Yes, 9, 7, 99. Père, mère, je pars avec petit frère, jamais ne reviendrai. Le destin nous a appelés, on ne peut l'éviter. J'espère que vous me comprendrez, que vous ne m'en voudrez jamais, car j'ai toujours fait de même de mon côté. Et Dieu sait que j'aspirais pas vivre un conte de fées. Avoir une famille comme les autres, c'est tout ce dont je rêvais. On n'a toujours pas choisi dans quelle direction aller, mais on y va parce que plus moyen de supporter aux excès de colère, les éclats de verre par terre, les copines de Nani qui viennent s'envoyer en l'air, les bafous me faire taire, les flics qui débarquent pour tout foutre en l'air. Vos disparitions soudaines, des journées, des nuits entières. Après ça, je suis prêt à vivre n'importe quelle galère. Et là, je suis sincère, à la chair de ma chair, que j'aime sans restriction. Excusez-moi si je... Exclamation. À peine fini, soigneusement plié, puis glissé sous la porte, sa lettre laissant mille regrets. Traverse le palier, lorsque d'un coup... Wow, vous allez où comme ça là? Vous venez ici, bande de... Oh là là, c'est quoi ça? Rentrez à la maison là! Vous croyez que c'est quoi là? Rentrez! Avec votre bordel là, allez nettoyer la baraque. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi cette lettre? Tu veux partir avec ton petit frère? Vous allez où comme ça? Je vais vous donner l'envie d'aller loin. Hé! Hé! Vous allez où là? Attendez ce soir! Attendez que vous allez arriver, vous allez passer un sale quart d'heure! Retenez!